Ah, c'est recorded. Alors, il faut faire attention. Faut pas dire n'importe quoi, il faut pas chanter n'importe quoi. Il faut dire des choses intelligentes. Ici en Israël, il est 10h22. Alors, dommage. Vous êtes en France, vous êtes confiné. Vous n'êtes pas fini complètement. Presque fini. Vendredi, ah, Rabbeinu, il est là. Alors, ouais, Mais en quand attendant, j'ai même. chanté, j'ai dit une Je sais que bêtise. j'étais un peu inquiet hein, pour toi. Je Pourquoi? sais pas, et quand vendredi, je crois que tu n'étais pas là, tu répondais pas au Ah, message. le vendredi, sincèrement, tu sais, les préparations pour Shabbat, il faut aller faire Ah, ci. c'est vrai, tu ne prépares beaucoup, toi. Je vais chez le Pessah, il fallait que je passe par. Hein? C'est toi qui prépares, peut-être. Oui, en plus, tu crois que moi je suis comme toi. Moi, j'ai la police chez moi. Aya. Alors, Bon. je propose après à Elohim, on saute, on va sauter à Psachim, on va faire Yuma comme tout le monde. Ah oui, ça c'est bien. On est à jour avec les autres. Après, on va Et prendre du Psachim, retard. on le fait. Psachim, elle est longue. Elle est longue. Et Non, mais mettez, bon, Psachim. Psachim est déjà passé en plus. On la laissera pour une autre Bon, fois. t'as passé des bonnes fêtes, Rabbeinu, là. Alors, Hachem, très bien. Oui. Mais ils font jusqu'à Manu, là. Là, mais ils vont finir lundi. Mardi, ils vont faire Yuma. Et je pense que nous aussi, on fera Yuma mardi. Ou lundi soir, je ne sais pas, on verra. Yoma, c'est pas facile non plus, hein. Non, non, elle n'est pas méchante, elle est bien, Yuma. Bon, l'halakha, essentiellement, à part Avodat HaKohen Gadol qu'on lit un petit peu dans la Tfila, il y a Oui, celui qui a. on se prépare pour les offices de Kippour, il faut les comprendre. Voilà. Voilà. Allez. On s'arrêtait à Daf, c'est du tête à Mouchini Ah, en bas mais du juste avant, je te raconte une petite, après on commence. Vas-y, vas-y. Alors, je vais chez le Pessah, je me suis levé un peu tard. Je suis allé prier chez le Lubavitch. Yoram est là, machin Lubavitch chez lui. Et on m'a fait monter à la Torah, ils ont vu un homme d'après comme ça. On m'a fait monter à la Torah, et le Kore BaTorah, normalement, il lit à Lubavitch. Et quand je suis monté, le pauvre, il a fait vraiment bien, bien, bien. Il a chanté un air marocain, comme il faut, un air marocain, complètement facile. Alors on m'a dit, vous êtes marocain, oui? J'ai dit, non, non. Alors moi, je dis plutôt, j'aurais préféré le chalmé, tu vois. Mais je dis, tu l'as fait tellement bien que je l'apprécie beaucoup mieux. Mais vraiment, c'était. Voilà. Allez, Bechabot. C'est bien. Allez, on s'arrêtait donc Mishnah, Daf Salitet Amouchine en bas de la page. Et aujourd'hui, on doit faire le Daf Kouf. Ilan Shaya Meser Alaares, Imen Novo Gavua Aminal, Sushat Fahim et Altelin Tartav. Un arbre Shaya Meser Alaares, c'est-à-dire que ses branches s'étendent jusqu'à ce qu'elles tombent vers le sol. De telle sorte que si maintenant, dans le cas suivant, les branches, elles sont à moins de 3 tfachim par rapport au sol,
Ouais, alors on va dire trois, on va dire la voûte et tout le sous-arbre, tout ce qui est en dessous de l'arbre sera considéré comme un réchout et yachid. Imaginez-vous que cet arbre est assez grand, il fait ouais. Ah. Eh bien, c'est pas grave, on pourra porter en dessous l'arbre de manière libre. Donc ilan shaya meser ha'ares im enno fo gavoa min ha'shoshat, si sa branche eh bien ne dépasse pas les trois tfahim par rapport au sol. Eh bien, trois ou plus, oui, eh bien, c'est-à-dire il faut que ce soit trois et moins. Et maintenant, il faut avoir un minéral sur chaque fahim, métal, terrine, tartare. Pour Sharasha ou Gvohim, minéral, c'est un deuxième din, ça. Si les racines sont Gvohim, minéral, sur chaque fahim, je les si les racines sont hautes du sol de trois fahim, eh bien, l'oyeshev, il n'aura pas le droit de s'asseoir sur ces racines-là qui ont dépassé les trois tfahim. D'accord? C'est-à-dire en dessous de trois tfahim, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est trois tfahim, c'est comme si qu'il s'assoit sur le sol même. Mais au-dessus de trois tfahim, eh bien, il n'aura pas le droit. Comme on connaît la Mishnah dans Maseret Bessa, la Daflamé d'or là-bas, on n'a pas le droit d'être Mishnah, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. Regardez une photo, Jonathan, tu es là? Alors, tu es là ou pas? Je sais pas si tu es là, Jonathan. Alors, je vous montre la photo. Qu'est-ce qui se. Je vous montre une photo sur ça. Alors, regardez. Voilà, regardez ici. Donc, ça, c'est l'arbre. L'arbre, c'est Serralares. C'est l'arbre-là. C'est en énorme. Il est long. Et là, la photo d'en dessous, ouais, la racine, vous voyez la racine de l'arbre, voilà, elle a dépassé, dès qu'elle dépasse ces trois tfahim, ouais, là, le niveau du Aleph, là, le niveau du Aleph, il n'aura pas le droit de s'asseoir sur ça. Ici, il peut, mais là, il ne peut pas. Quel est le djinn de ici? Si maintenant la racine, elle redescend par la suite, en dessous de trois tfahim, on verra une marloquette sur ça. On verra une marloquette entre Rabba et Rav Sheshet. D'accord? Amos, je ne comprends pas. Amos. Il a dû mettre le son dans les écouteurs et il a enlevé les écouteurs. Hein? Il a dû mettre le son dans les écouteurs et il a enlevé Ouais. les écouteurs. Ah, mais il n'appuie pas sur le bouton pour désactiver le son. Ah. Bon. Amos. Manu, juste une petite question. Puisqu'on est en retard, autant être bien en retard et on reste sur Tarim, non? Hein? Puisque de toutes les façons, on est en retard. Ouais, mais j'ai pas envie de faire psari maintenant. Ah, ok. Moi, je vais pas faire psari maintenant. Bon. Okay. J'aurais préféré si maintenant on était proche, mais comme c'est trop long, on va être beaucoup, beaucoup déconnecté. J'ai pas envie. Je laisserai à l'occasion une fois. On a fait ça. Ilan, Chaya, donc c'est bon, voilà le djinn de la Mishnah. Amar av Gmara. Amar avuna brezera v'yoshua. El metal terimbo yoter mi bet satay. Maitama, mishum David dira shetashmisha leavir, bechol dira shetashmisha leavir, el metal terimba yeter mi bet satay. Dira avuna brezera v'yoshua, attention, si maintenant en dessous de l'arbre, on a plus que bet satay, d'accord? C'est-à-dire que l'étendue en dessous de l'arbre dépasse les 100 amot sur 50 amot, 5000 amot carrés, eh bien, un métal terrine, on ne pourra pas déplacer. Bien que toi, même quand tu as planté l'arbre, c'était dans l'intention que ce soit comme une dira, comme ça, dirachi, comme une habitation, on comprenne la suite de la Gemara, eh bien, tout de même, tu n'auras pas le droit de déplacer plus de 4 amot d'un coup. Pourquoi? Dit la Gemara, étant donné que tout le but de cette habitation-là, ce n'est pas pour l'intérieur, c'est pour l'extérieur, c'est pour garder ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, ça s'appelle Dira Shetashmisha Le'avir. Une Dira qui n'est que
que son tachmish n'est pas pour elle-même, mais pour son extérieur. Et le principe est le suivant. Kol dirash tachmisha la'avir, el metal tirinba, yeter mibet sataim. On ne peut pas déplacer plus que... On ne peut pas déplacer si maintenant ça dépasse les bet sataim. D'accord? Très bien. On peut déplacer que dans les quatre amants si c'est plus bet sataim. Si il y a moins que bet sataim, on peut déplacer librement. On continue la Gemara. Dafkouf amoud rishon. Sharasha ou boiminas. Là, on est sur la deuxième partie de la Mishnah. Itmar. Itmar. Cherché Ilan Abaim Milmala Mishlosha Letor Shelosha. C'est donc comme le cas de figure que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Si maintenant la racine, elle a dépassé les trois tefachim et puis après elle est redescendue. Et lui veut utiliser la partie qui est redescendue dans les trois tefachim. Quel est le djinn? Marlok, Rabba Amar Mutali Ishtamesh Bay. Rabba dit on peut l'utiliser. Rav Sheshet Amar Asul Ishtamesh Bay. Rav Sheshet interdit. Rabba Amar Mutali Ishtamesh Bay Dekol Pachot Mishlusha Dera Arahi. Tout ce qui est à moins de trois tefachim par rapport au sol, ça s'appelle le sol. Donc, ça s'appelle que tu es assis dans le sol, tu utilises le sol et ça, ce n'est pas interdit. Rav Sheshet Amar Asul Ishtamesh Bay. Rav Sheshet interdit l'utilisation de cette partie de l'arbre. Pourquoi? Étant donné que cette partie qui est redescendue, elle provient d'un morceau qui est interdit. Parce que, rappelons, comment elle a fait la racine? Elle s'est élevée, elle a dépassé les trois tefachim, et après elle redescend en dessous des trois tefachim. Donc la partie qui redescend, elle provient d'un endroit qui est au-delà de trois tefachim. Donc, puisque Mikoah Isur Kachi, il vient d'un Isur, c'est pourquoi même la partie qui est dans les trois tefachim est interdite. Voilà la mahloket qu'il y a entre Rav Sheshet et Rabba. Gdi Lagmara, Dedamu Kimshunita, Desalkin Laila, Asurin, Denachkin, Tatae, Sharul, Istajin, Plukta, de Rabba ou Rav Sheshet. Dit l'Agmara, toujours dans la discussion de la mahloket entre Rabba et Rav Sheshet. Si maintenant, Damuk Kimshunita, lorsque ça ressemble à Damuk Kimshunita. Alors, c'est quoi Kimshunita? C'est quoi Mshunita? Vous avez sûrement dans votre Gemara une photo, un arbre. Vous voyez, il y a une racine qui monte comme ça. Et puis, elle a des différents, peut-être Mshunita Milashon chêne. D'accord? Il y a comme des dentitions comme ça. Donc, tu as des pics qui redescendent mais qui restent au-dessus de trois tefachim, des pics qui redescendent à l'intérieur des trois tefachim, bien qu'au départ, c'était au-dessus, oui, et des pics qui vont vers, qui sont en moins de trois tefachim depuis le départ. Donc, vous avez, regardez si vous voulez une petite photo, la photo numéro 33. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà. La photo 33. Là. Quelle page, Manu? Quelle page? La page 218. Donc, vous voyez, il y a Tatae, celle qui est au milieu, et Illae. Là, vous voyez, la branche, elle a dépassé les trois tefachim. Trois tefachim, c'est là. Donc, celle d'en haut, c'est interdit comme ouvan, puisqu'on est au-dessus de trois tefachim. Celle d'en bas, on est toujours en dessous de trois tefachim, donc c'est autorisé, il n'y a pas de souci. Et celle-là, hein, celle du milieu, ça redescend. Donc, la branche de départ, elle est au-dessus de trois tefachim, elle redescend. Là-dedans, ici, elle redescend. Vous voyez? Eh bien, cette redescente-là, ça va être Mahloket Rav Sheshet. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, ce morceau-là? Mahloket Rav Sheshet va interdire et Rabba va autoriser. Comme ça, Rashi explique la Sugya. Vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais quel est le Hidouche ici? C'est exactement le cas, la Mahloket d'avant. Ici, il y a quand même un Hidouche, dit Tosfot Rosh. Il dit que le Hidouche, c'est parce que j'aurais pu croire que dans ce cas de figure-là, comme il y a des endroits qui sont complètement interdits comme celui-là, même celui-là, Rabba, il va te dire que c'est interdit. Kamash Malan, il va te dire quand même que celui-là, en dessous de trois tefachim, il sera quand même autorisé. Voilà le Hidouche de ce cas-là. C'est bon? Très bien. Voilà.
Maintenant, on continue. Donc, ça, c'est une autre mahloket. Enfin, toujours la même, mais maintenant, je reprends dans les mots. Des damou, kemshonita, des salqin, la'ala, ceux qui montent vers le haut, qui dépassent les trois tfahim, asurin, des nartin, les tatay, ceux qui sont en dessous des trois tfahim, vers le bas, charou, l'isdadin, ceux qui descendent sur le côté, plukta, des rabats, plukta, des rabats, vers l'avchéché. Point. Vechen anigra, vechen bekeren zavit. Alors, c'est quoi vechen anigra? De même, anigra, c'est une mahloket, rabba rav shechet. Et de même, keren zavit, c'est une mahloket, rabba rav shechet. Là aussi, là encore, vas-y, Jonathan, mets-toi au travail. Photo 34 et photo 35. Anigra, c'est quoi anigra? Alors, vous avez comme une sorte de voilà, tranchée là où passe l'eau. Vous voyez bien là? Voilà, très bien. Et vous avez un tronc comme ça qui prend toute la largeur. Alors, ce tronc-là, sur deux côtés, par rapport à deux côtés, ouais, il y a le lit là-bas, il est à moins de 3 tfahim. Et par rapport aux deux autres côtés qui mènent vers l'eau, il est plus haut que 3 tfahim, vous voyez ? C'est-à-dire le dessus du tronc, par rapport au sol. D'accord ? Pas par rapport au fond. Par rapport au sol, il y a moins de 3 tfahim. Mais par rapport au fond, il y a plus de 3 tfahim. La question, est-ce que je peux utiliser le haut du tronc ? Est-ce que je regarde les deux côtés ? Qui va gagner ? Est-ce que les deux côtés vont gagner ? Les deux côtés qui sont à même le sol qui vont gagner et pour m'autoriser ? Ou bien je dis non, ce tronc-là, il a deux côtés aussi qui, par rapport à eux, à ces côtés-là, eh bien, le tronc, le haut du tronc s'appelle au-delà de 3 tfahim, et donc c'est interdit. D'accord ? Donc, sur ça, la même chose. Rabba, il va dire, je regarde les deux côtés qui sont à moins de 3 tfahim, et donc je vais t'autoriser. Alors que la chéchette va dire, je regarde moi les deux côtés qui sont dans le nagar là-bas. D'accord ? Dans le nègre, je ne sais pas comment il faut dire. Peut-être on dit les deux. Et c'est ça c'est ça qu'on regarde. Et donc, comme il y a deux côtés qui montent, que par rapport à ces deux côtés-là, ça monte au-delà de 3 tfahim, il sera donc interdit d'utiliser le haut du tronc. D'accord ? Dernier cas, pardon. Vechen bekeren zavit. C'est la photo 35. Vechen bekeren zavit. C'est la photo 35. Regardez, je vais vous montrer. Photo 35. Jonathan, tu peux montrer la photo 35 ? 35, tout de suite. La photo d'à côté. Vous voyez, c'est un tronc qui est dans l'angle, couvert par deux murs, les murs d'angle, de telle sorte qu'il n'y a qu'un seul côté qui est visible vers le sol. Les autres côtés sont cachés par les murs. Donc, par rapport aux murs, le haut du tronc, encore une fois, le haut de l'arbre, le haut du tronc, eh bien, il y a moins de 3 tfahim. Mais par rapport au sol, il y a plus de 3 tfahim. Maintenant, il y a 3 côtés. Il y a 3 côtés qui, par rapport à eux, eh bien, le haut du tronc s'appelle moins de 3 tfahim. Il y a un côté que ça s'appelle au-delà de 3 tfahim. Comment on gère cette affaire-là ? La même chose. Rabba va dire, moi, je regarde les 3 côtés. Je regarde les 3 côtés. Et donc, tu peux utiliser le haut du tronc. Et la chichette, il va dire non. Moi, je regarde quand même, je regarde le côté, bien qu'il y a 3 côtés comme ça. Je regarderai. Il y a un côté qui, par rapport à ce côté-là, on est au-delà de 3 tfahim. Tu ne pourras pas utiliser le haut du tronc. Voilà. Encore une fois, la mahloket, Rabba Rachet. Et maintenant, si déjà 2 côtés pour Rabba, il a autorisé 3 côtés, Kolcheken. D'accord ? En fait, ici, le hidou, ça va être pour Rav Shechet. Même 3 côtés, il va interdire. Mais Rabba, il va être d'accord. Davka, le tronc, lorsqu'il est dans le neg ou dans le mur, comme on vient de le décrire, d'accord, dans l'angle comme ça. Dans ce cas-là, c'est Nachelami autorisé d'utiliser le haut du tronc. Mais si maintenant, le tronc se trouvait comme dans la photo 36, d'accord, dans la photo 36, eh bien, le tronc, il est collé à un mur, par exemple. Donc, il n'y a qu'à travers un seul côté, on est
à moins de trois tefachim. Et tous les autres côtés du trot, on est au-delà du trois tefachim. Voilà. Toujours, je me situe sur le haut du trot, hein, que ce soit clair. Par rapport à tous les côtés, sauf un, je me trouve au-delà de trois tefachim. Même Rabba sera d'accord dans ce cas-là qu'on ne peut pas utiliser le haut du tronc. Donc, selon là-bas, à partir de deux endroits où on est en deçà de trois tefachim, on peut utiliser. Et selon la fchuchette, non. Même deux, on ne peut pas. Même trois, on ne peut pas. Kol Sheken, qu'un, on ne peut pas. Et même là-bas, il est d'accord qu'un, on ne peut pas. Voilà la mahloket là-bas et la fchuchette. La Gemara raconte une histoire. Il y avait dans la maison d'Abayé un palmier et il sortait par une sorte de cheminée comme ça, une ouverture vers le plafond. Il est venu devant Rav Yosef et il lui a autorisé. Alors regardez la photo 37. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous avez une maison comme ça, voilà, et le palmier, hop, il sort, voilà, dans le toit. La question est de savoir est-ce que je peux utiliser les branches qui sont à même le sol pratiquement dans les trois tefachim par rapport au plafond, par rapport au toit, oui ou non. Rav Yosef a autorisé à bailler. Mais le palmier, là, le palmier, il est quoi ? C'est des branches qui sont sur le toit posées comme un scar. Non, regarde dans la fenêtre, il y a le tronc, tu vois le tronc ? Ah, le palmier, il est dans la maison ? Il est dans la maison. Ok, d'accord. Vous n'avez pas imaginé ce cas-là. Voilà. C'est clair. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le haut ? Bien sûr qu'à la maison, on ne peut pas utiliser, mais le haut, oui ou non ? Alors, Amalé, donc à la Yosef lui a autorisé, et sur ça, Amalé, la Vahabar Tahlifa, des Shalalah, Kiraba Shalalah. Celui qui t'a autorisé, sache, il dit Abayé, sache, que Rav Yosef qui t'a autorisé, eh bien, il t'a autorisé comme Rabba le pense. Rabba qui pense qu'effectivement, ici, des quatre côtés par rapport au plafond, ouais, l'arbre, il est en deçà des trois tefachim par rapport au toit. Alors, dis-la que pshita, c'est quoi le chidouche ici ? Bien sûr que ça suit Rabba. Maoud et Tema, filo Rav Shechet, beta keman de malidami. J'aurais pu croire que même Rav Shechet il est d'accord dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que Beta, la maison qui émane des Malédami, peut-être la maison elle est considérée comme si elle est pleine. Et alors, ça veut dire alors, c'est quoi ? Elle est pleine. Comme si c'était Arasmirta, dit Rashi. Comme si tout l'intérieur de la maison c'est un sol entier qui est fermé. Et donc, qu'est-ce qui ressort du sol ? C'est ce qui ressort au-dessus du toit. Or, ce qui ressort au-dessus du toit, au-dessus du sol, dans les trois tefachim, c'est autorisé. Donc, j'aurais pu croire que la chéchette autorise ce cas-là. Tamash Marlan, qu'on ne regarde pas les choses de cette manière-là. C'est Rabba qui autorise ce cas-là et pas Rav Shechet. Point. Alors, Tosfot, je ne vais pas le faire tout de suite. Le premier Tosfot du Hamoud, je vais continuer encore quelques lignes de Gemara. Nan, on a une Mishnah. Donc la Gemara maintenant, elle va rapporter notre Mishnah à nous. Elle va objecter sur Rabba. Nan. Sharasha ou Gvoin Minaharis Shloshat Fahim. Loye Shevale. On a vu dans notre Mishnah que si les racines ont dépassé les trois Fahim, on n'a pas le droit d'utiliser ces racines-là. Les racines qui ont l'endroit qui a dépassé les trois Fahim. Et Chidame dit la Gemara de quoi il s'agit. Idelo Adrechaife Pshita. Si maintenant, on parle que les racines ne sont pas revenues dans les trois tefachim, c'est-à-dire les racines se sont élevées au-delà des trois tefachim, mais elles sont restées comme ça. Et on t'interdit la partie qui est au-delà des trois tefachim. Diagmala, ça c'est pshita. Pourquoi c'est pshita ? Pourquoi ne pas dire que je suis en train de t'apprendre, tu n'as pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat ou Yom Tov ? Alors dit Rashi, c'est mieux de rajouter un mot d'ailleurs dans Rashi, Vechi, qui n'est pas écrit dans Rashi, Akati lo Ashma'inan. Elohim, Mishum Shevut, Lorim, Beilan, Bebassad Bessa. Dans Bessa, Daflamedo Amochini, là-bas, il y a une longue Mishnah.
Et dans cette Mishnah, on nous dit qu'il n'en a pas le droit d'utiliser l'arbre et ça ne le sèche déjà pas. D'accord ? Voilà ce que dit Rashi. Est-ce que je ne le sais pas ? Oui, je le sais. Donc, je sais très bien que si j'ai dépassé les trois tefahim, je n'ai pas le droit d'utiliser l'arbre. Donc, quel est le chidouche du Tana ? N'est-ce pas que le chidouche, c'est lorsque la racine revient dans les trois tefahim et je suis en train de t'interdire la partie qui est revenue. Même cette partie-là, je te l'interdis. Oui, comme Rav Shechet, couché à contre le bas. Et là, on va faire le gars de Adri Kaifé. Je viens de t'apprendre. Léolam, on parle pas du cas où ça revient. Si c'est revenu, c'est autorisé. Le hidouche du Tana, c'est quoi? C'est que c'est vrai que la branche, elle s'est levée au-delà de trois tefahim, la racine, oui. Mais par rapport à un sol, par rapport au sol, à un côté, eh bien, elle est à moins de trois tefahim, un seul côté. D'accord? Ma'adjim, même là-bas, il est d'accord dans ce cas-là, comme on l'a vu tout à l'heure. Même là-bas, il est d'accord dans ce cas-là que c'est interdit d'utiliser cette partie-là. S'il y a un seul côté qui est à moins de trois tefahim par rapport au sol, au niveau de la branche, de la racine, tu ne peux pas l'utiliser. Il faut, selon là-bas, au moins deux côtés. Juste pour une petite photo, hein. Après, chacun utilise sa... Voilà. Par exemple, la photo 38 ou 39. Ouais, la photo 38 ou 39. Ouais, je vous montre un petit peu. C'est bon. Voilà, par exemple ici, vous voyez. Là, ou bien encore celui-là, là, vous voyez. Celui-là. Donc ça, c'est le tronc, la racine, hop, elle ressort. Et là, par rapport au sol, elle est à moins de 3 tefahim. D'accord. Comme c'est qu'un seul côté, eh bien, ça restera interdit. Vous voyez notre Dira qui fait comme ça. Il fait la photo comme ça. Donc, un seul côté, que à partir d'un côté, il s'est à moins de trois tefahim, sinon non. Donc, dans ce cas-là, il a fait un ami, dit là-bas que j'interdis moi, et c'est ça ce que le Tana est venu m'apprendre. Très bien. Tano la banane. Cherchez Ilan, Shikvoi mina al Sloshat Fahim, O Shiesh Halal Tahteel Sloshat Fahim, Afapish Isido Echad Shawel Ares, Areze lo Yeshev Alehen, Lefi Shen Olin Beilan, Ven Itlin Beilan, Ven Nishanin Beilan, Velo Yale Beilan mi Beodjom, Vishab Shab Kolayom Kulo, Echad Ilan, Ve Echad Kola Behema, Avalbol Shiach Mara Begader, מתאפס ועולה, מתאפס ויורד, ואפילו אין מאה אמה. Très bien. Donc, שורשי אילן, une ברייתא. לרצין דנר, כי שגבוהים מן הארץ שלושה טווחים, כי סלב עודשות יוסול לתרועה טווחים, וביה, או שיש חלל תחתיהן שלושה טווחים, וביה חלל עודשות לרצין, יהיה נספס, de trois tefahim, à falpich, et si deux yachat shabelas, bien que d'un côté, c'est égal au sol, à mon amont de trois tefahim, ou égal mamash au sol. Donc sur ça, Kababa, il est d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, arézé lo yeshev alem, tu ne peux pas t'asseoir sur ces racines-là. Lo yeshev alem, les fichés n'ont l'in beila, parce qu'il est interdit, tu sais très bien, c'est interdit de monter sur un arbre. Ven itin beila, on ne se suspend pas sur un arbre. Venchanin Beilan, on ne s'accoute pas sur un arbre. Veloyale Beilan Miberodjom, tu n'as pas le droit de monter vendredi avant l'entrée de Shabbat sur l'arbre, et tu restes là-bas tout le Shabbat. Veshev Sham Kolayom Kulo, et Hadilan, Vechad Kolabema. Que ce soit un arbre, ça c'est interdit, et même un animal, tu n'as pas le droit de monter sur un animal, et tu vas rester sur le cheval, par exemple, tout le Shabbat. Par contre, Aval Bor Shiach Mara Vegader,
ces différentes sortes de puits, ronds, carrés, rectangulaires, vegader, ou une barrière en pierre, oui. Metapes ve'olé, metapes ve'yoret, quel rapport? Le dit ici, Rashi explique qu'en fait, c'est pas la tirha qui est l'interdit ici, puisqu'il y a aussi une tirha là. Metapes ve'olé, il grimpe et il monte et grimpe et il descend. Il s'attache et il descend. D'accord? Il peut le faire pendant Shabbat. Ah, une tirha, alors c'est quoi l'interdit de l'arbre? C'est pas une question de tirha du tout. Et c'est plutôt parce que chez Maya, allez, oui, cloche. D'accord, de peur qu'ils viennent arracher sciemment une branche. D'accord. Donc sinon, s'il n'y avait pas ce problème-là, il n'y a aucun problème de tirha. Metapes ve'olem, metapes ve'yored, ve'afilu el me'ama, même si c'est 100 amot. D'accord. 50 mètres, c'est énorme comme effort à fournir. À Falpiken, c'est moutard. Vous avez vu que le Tana de la Breita, il a cité à Falpich et Sido et Hatch avec la Hares. A priori, cette Breita-là, elle semble aller comme Rabba et contre Rav Shechet. Parce que selon Rav Shechet, même deux ou même trois côtés qui sont Shavim la Hares, ouais, à moins de trois de Fahim, il interdit. Oui. Alors, tout soit, ils vont dire que selon Rav Shechet, quand le Tana a dit un côté, c'est l'Avdafra. Tu vois que même quand c'est Shavim la Hares, c'est interdit. Un ou deux ou trois, aucune différence. Alors maintenant, on peut se permettre de faire tout soit. Tosfot, Vechen, enfin, on l'a déjà fait plus ou moins. Vechen, Bekeren, Zavit, Pirej, Bekontras, chez Shloshas, Dadao, Nichnasin, Toch, Amitsawa. Les trois côtés pénètrent dans l'angle. Il n'y a qu'un seul côté qui est face au sol. Vechen, Yerami, Bachos, il a sa réveil. Du côté extérieur, on ne voit que le quatrième côté. Et donc, j'ai besoin d'apprendre et le cas de Neger et le cas de Keren, Zavit. Keren Zavit, je t'ai enseigné, il y a deux côtés qui sont moins de 3 tefachim par rapport au haut du tronc. Léodjiacha kochod et Rav Shechet, pour t'apprendre la force de Rav Shechet. Oui. Pardon, Keren Zavit, c'est pas négre. Keren Zavit, c'est les trois côtés, d'accord. Trois côtés, pour t'apprendre la force de Rav Shechet, que bien qu'il y a trois côtés, que par rapport à ces trois côtés-là, le haut du tronc et la moins de 3 tefachim, quand même, c'est un problème, dit Rav Shechet. On ne peut pas utiliser l'eau de l'arbre. Le neger, des mishne zadav, le diara kohod de Rabat. C'est pour t'apprendre, le cas du neger, c'est pour t'apprendre la force de Rabat, des charis, qui l'autorise, même quand il n'y a que deux côtés au milieu. Modé Rabat, le samouch, la kodel, she'en, chawe, la ares, et la misadeha, de asu. Rabat est d'accord que si que ce n'est qu'égal dans les trois tefahim, que d'un seul côté, eh bien, c'est interdit. Ce qu'on a enseigné dans le Breita qu'on vient de faire, que Sido Ahad Shavel Ares, ça, c'est interdit. Et a priori, c'est une kusha contre Rav Shechet. Rav Shechet, même deux ou même trois, c'est interdit. Eh bien, l'otikshe d'istosfot, oui, l'otikshe le Rav Shechet del Jide laudavta. D'accord, même deux côtés, ou Adin, Mishnes, Dadin, même deux côtés, ça pose problème. Ok, fin de cette sugya. On continue. Tane Hada, Imala Mutar Lired. Tane Hada, Asur Lired. Il y a une Breita qui nous dit que s'il est monté sur l'arbre, il a le droit de descendre en Shabbat. Il a le droit de descendre Shabbat. Et il y a une autre Breita qui dit non, tu restes là-bas Shabbat. Tu ne descends pas. Comment je peux arranger les deux Breitot pour qu'elles ne se contredisent pas? La Kashia. Kan mi be'odjom, kan mi she'hashecha. La Breita qui autorise de descendre, c'est parce qu'il est monté Beheter. Mais bien Odium, comme j'ai monté Béhéter, je n'aurais pas dû le faire. Comme tu quand même c'est Béhéter, eh bien, tu as le droit de descendre pendant Shabbat. Par contre, la deuxième Breita qui t'interdit de descendre, c'est parce que tu es monté pendant Shabbat. Et donc, c'est un prince, tu restes là-bas. Oui, Baritema, deuxième réponse, dans les deux cas, il est monté la nuit. Ça veut dire à l'entrée de Shabbat. Après l'entrée de Shabbat. Le Lokashia, Kan Beshogeg, Kan Bemezid.
dans la Braïta qui a autorisé de descendre, c'est parce qu'il est monté sans faire exprès, Béchogeg, alors que la Braïta qui interdit, il est monté Bémézi. Ou bien, je peux même te donner une autre réponse, une autre façon d'être Miyachev, les deux Braïtot. Dans les deux cas, il est monté Béchogeg. Entre les deux braïtot, c'est est-ce qu'on est connaisse cette mahloket qu'on voit dans ma série de Gittin essentiellement, mahloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, est-ce qu'on est connaisse mon amende, eh bien, shogeg, celui qui fait shogeg à cause du cas de Mezid ou pas. Mol savar kansinan, la braïta qui est interdite, c'est parce qu'elle pense, oui, on fait un knas. Ou mol savar lo kansinan, c'est la braïta qui autorise, pense qu'on ne fait pas de knas, shogeg, à cause de Mézid. Manu, quoi? Je t'écoute. D'après la deuxième Eibaïtema, oui. Il est monté ben Mézid et on est connaisse de l'interdire de descendre. Non, c'est mal dit. Comment tu dis? Dans la deuxième façon, s'il est monté Béchogeg, même pendant Shabbat, il peut redescendre. Et s'il est monté Bémézid, c'est pas qu'on est connaisse, on demande de rester là-bas, comme bien qu'il va utiliser, on l'embête. C'est ça que tu voulais dire connaisse en quel cas, c'est bien ce que tu as dit. Tu restes là-bas sur l'arbre. Mais pas connaisse à cause de quelque chose d'autre. Bémézid, il n'y a pas. Bémézid, c'est en soi, c'est un problème. Très bien, très très bien, mais on s'est compris, on dit la même D'accord. chose. La question c'est, puisqu'il est monté Bémézid, maintenant il va redescendre Bémézid. Il va faire deux Averot, mais il va redescendre Bémézid. Non, on lui dit reste là-bas. Et oui, mais il va dire, bah, tant pis, moi je prends sur moi le Issour et je redescends. Ah ok, on va le frapper doublement, alors je ne sais pas, moi, le Bédine il va lui faire ce qu'il va lui faire. Très bien. Oui, tu as raison. Si maintenant le Bédine n'a pas la force, il fera ce qu'il voudra, mais rien à dire. Ok. Très bien. Dit l'Agmara, continue l'Agmara. L'Agmara, elle veut essayer de faire en sorte d'être meyachev la braïta, les deux braïtot qui se contredisent d'une autre manière, en disant qu'une braïta c'est Rabbi Eliezer et l'autre braïta c'est Rabbi Yoshua. Et finalement, elle va repousser cette proposition-là. C'est ce qu'on va faire à partir de maintenant jusqu'à la fin du Hamoud. Amar avuna breze Rabbi Yoshua. En fait, ces deux braïtotes qu'on a vues, qu'un autorise de descendre et l'autre n'autorise pas de descendre, oui, en fait, c'est une mahloket tanaï. C'est quoi la mahloket? On oublie maintenant notre cas d'arbre et on passe à un autre sujet complètement différent. Anitanin bematana ahat, shenitarv ou benitanin bematana ahat. Si vous avez des korbanotes, avec le korban, donc on fait la shita, on recueille le sang et puis on fait l'aspiration de sang sur le misbeh. Maintenant, il y a des korbanot où c'est matana ahad, une seule aspiration. Il y a des matanot, c'est arba matanot, quatre côtés du misbeh. Et il y a des korbanot où c'est shtein shen arba. C'est deux aspirations dans les coins où ça fait quatre, deux qui font quatre. D'accord? Alors, ici, le premier cas, c'est il y a eu un mélange entre deux korbanot. Mais les deux korbanot, c'est bematana ahad. Ça veut dire quoi? Il y a eu un mélange. D'accord? Par exemple, on peut expliquer les deux verres, on les a mis dans un même verre. Les deux sangs dans un même verre. D'accord? Ou bien deux verres, on ne sait plus qui est lequel. D'accord? On a deux verres, on ne sait plus si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Peu importe. On peut expliquer de deux manières. Aïn, Maser, Zahim, la Balagmara, les Dan. Elle est dans ce cas-là, dans Zahim Dafpe, je crois, là-bas. Erchiyé. Sans rentrer dans ce détail-là, le Tana nous dit Anitanin bematana ahat, chinitalvo benitanin bematana ahat. Comme Rashi donne comme exemple, d'un Bechor. Le sang du Bechor, Bechor étant un korban qu'on doit donner au Kohanim, on le sacrifie, eh bien, il s'est mélangé avec un autre Bechor. Son sang avec un autre sang de Bechor. Les deux, c'est Bematana Ahat. Qu'est-ce qu'on fait? Yinatno Bematana Ahat. Eh bien, on fait une seule aspersion. Matana. Disons, dans le cas où les deux sangs sont dans un verre, un seul coup et c'est bon.
Matan Arba, Bematan Arba. Si maintenant il y a deux corbanotes, que les deux c'est Matan Arba, ça veut dire qu'il faut mettre quatre matanotes sur le Misbeah. Rashi nous donne le cas, c'est quoi le Matan Arba? Rashi donne le cas de Hatat, Dam Hatat. Pourquoi Rashi a pleuré, il a dit Dam Hatat? Soit ils ne vont pas accepter, on verra pourquoi. Parce que Bemet, Dam Hatat, il y a quatre matanotes. D'accord, c'est pas Shtaim Shen Alba, c'est quatre matanot mamash. Ça rentre bien dans les mots. Alors, donc, si maintenant deux korban hatat se sont mélangés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple, là aussi. Inatnu bematan alba. On fait quatre. D'accord? Comme ça, et les deux korbanot, on les aura acquittés. Maintenant, la chéla où ça se complique, c'est dans le cas suivant. Matan arba be matan ahat. S'il y a deux korbanot, un de matan arba et l'autre matan ahat, ils se sont mélangés. Combien on fait de matanot? Mahloket. Rabbi Eliezer omer inatnu be matan arba. Rabbi Yoshua omer inatnu be matan ahat. Rabbi Eliezer il dit tu fais quatre. Et Rabbi Yoshua il dit tu fais que un. Je lirai la Gemara et après je ferai la Chine. Je lis d'abord la Gemara. Amalou Rabbi Eliezer, areu over al bal tigra. S'il ne fait qu'une seule matana, are pour le hatat, pour le matan arba, il n'a fait que un. Et donc, il a diminué trois. Et il a transgressé bal tigra. L'autre aussi fait là, ou l'autre tigra, mais nous c'est marqué dans la Torah. Alors Rabbi Yoshua lui répond, alors Rabbi Yoshua allez au verbe Valtosif. Selon toi, aussi un problème. Il va, comme il va faire quatre matanot, par rapport au matan ahat, il va faire trois supplémentaires. Il transgresse Valtosif. Alors Rabbi Yez, lo amru, ella kesheu beasmo. Valtosif, quand est-ce que je le transgresse? Dit Rabbi Yez. Que lorsqu'il est tout seul. Oui, s'il y avait que le dame Bechor tout seul et j'en fais quatre, transgresse Baltosif, mais là il est mélangé avec un où je dois faire quatre. On me dira, la chie, de toute façon, ne va pas être d'accord. Oui, il y a assez, oui, très lota assez. Le assez de matin à bas va repousser le lota assez de Baltosif. Pas mal, on a bien au choix. Moi aussi, je te réponds. L'on est mal Baltira et la kéché au Béasmo. Baltira, il le transgresse quand il est tout seul. Si j'avais quatre matanot à faire et j'en ai fait qu'une et j'ai pas fait les autres, alors, ok, tu auras transgressé peut-être Baltira, d'accord? Sachant que même si tu mets qu'un seul, ça marche quand même, d'accord? Mais peut-être il y a une couche de Baltira, il y a une erreur quand même, une faute de Baltira. Mais s'il est accompagné de un où il faut lui faire que un, Dame Bechor, eh bien, il n'y a pas Baltira. Veod rajoute Rabbi Yoshua comme argument. Veod amar Rabbi Yoshua, que shenatata avat al Baltosif. Donc là, on dirait qu'il remet en question Bichlal l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Parce que Rabbi Eliezer lui dit on ne transgresse pas Baltosif dans ce cas-là. D'accord? Et on dirait Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec cette idée-là. Que shenatata, là, quand on va parler maintenant. Quand tu as fait l'aspersion, quand tu en as fait quatre, tu as transgressé par rapport à Adam Bechor, tu as transgressé Baltosif, et en plus, tu as agi. C'est-à-dire, dans ta transgression, tu as fait une action. Donc, tu as transgressé activement. Ça, c'est un problème. Par contre, selon moi, d'accord, on a transgressé Baltira, mais je l'ai transgressé passivement. Vaut mieux transgresser activement ou passivement? Eh bien, Omer, passivement. C'est mieux. D'accord? Donc, ce qui lui répond à Bioshua. Amar la Bioshua. Keshenatata, avant al baltosif, asitama asebeadecha. Keshelonatata, quand tu n'as pas mis, par contre, avant al baltira, inachinami. Par contre, lo asitama asebeadecha. Point. Fin de la discussion qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Au sujet des korbanot.
Avant de continuer sur la Gemara, d'abord, voyons Rashi. Rashi, regardez Rashi, « Innat no be matan arba » Donc, selon Rabbi Eliezer, on va mettre quatre matanot. « De kasavar kum ase miswa adif » Parce que lui, il pense, « Lève-toi, accomplis la miswa de arba matanot, c'est mieux. » Afin garde bien miswa et kasada avera, bien qu'il y a quelque part, par rapport au Dan Bechor, une avera, eh bien, ce n'est pas grave. De avar abal tusif. Ati ase de hatat, vient le ase de hatat, où c'est écrit là-bas, venatan al karnot, il faut mettre sur les karnot, les quatre, vedahi le bal tusif de bechor. Comme ça pense Rabbi Eliezer. Après, est-ce que tu sois, tu vas être d'accord ou pas, peut-être que ça, tu parles selon Rabbi Yehoshua. Bon, en tout cas, vers Rabbi Yehoshua, je continue la chine. ורבי יהושע אומר נותנו במתנה אחת כיוון דקיימלן כל הניתנין על מזבח חיסון שניתנן במתנה אחת כיפר פיסק נותנו כמם סייע סרטן קולבן כי הגזיש פלוזיור מתנות כנמי כאינסון בדיעבד כיפר שייתה פרדוני אחד אלו אפשר סמכין הנהלה איסיד עולות חיקה וסיפה פוסיבל דפר עוד חומות D'accord? Eh bien, on s'appuiera sur ça, comme on dit souvent, chat et hak, kedja, badadami. Si on n'a pas trop le choix, sinon tu vas transgresser, mal tosif, eh bien, on va s'appuyer sur cette idée-là, sur ce diavad-là. D'accord? On va faire même les khatrila ainsi. Alors, venez à le mal tosif. Oui, mishum baltirla de hata. Et si tu vas me dire, mais quand même, il y a une transgression de baltirla, eh bien, ketka martama. Comme le va le dire par la suite Rabbi Yehoshua, vaut mieux que Batirla se retire de par lui-même. Il le lave, il vient, mais de manière passive. Eh bien, c'est mieux ça, plutôt que. Mais avoir le Baltosif, contre Baltosif, s'il vient faire d'autres matanot, il va activement le transgresser. Voilà le la mahloket Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua. Tosfot matan arba be matan ahat pirush ola. Tosfot dit non, il ne faut pas expliquer hatat, pas comme la chine. Il faut expliquer ola. Ola, bien que Ola, ce n'est pas très bon, parce que Ola, on ne dit pas, normalement, ce n'est pas Arba Matanot, c'est Shtaim Shein Arba. Ça dit, oui, quand même, il faut dire Ola. Pirouche Ola, Shein Matan Shtaim Shein Arba, Bebechor ou Bepesah, qui s'est mélangé avec le sang d'un Bechor ou le sang d'un Korban Pesah, que c'est Matanahat. Aval Elefaresh Matan Arba Aino Hatat. Il ne vient pas expliquer Matan Arba Hatat, comme Rashi l'a fait. Parce que si c'est mélangé le hatat avec le pesach ou le bechor, il n'y a pas de réparation à ça. Pourquoi? Car le hatat, les malamichotas, et le bechor ou le pesach, il y a certains korbanot, on doit faire l'aspersion du sang au-dessus du chotasikra, un fil rouge qui est contourné le misbeach, et d'autres qui doivent être faits en deçà de ce fil-là. Hatat doit être fait en haut et Pesach au Bechor doit être fait en bas. Et donc, il n'y a pas de takana. Celui qui doit être fait en haut, si on le fait en bas, ça ne marche pas. Celui qui doit être fait en bas, si on le fait en haut, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de takana. C'est pourquoi, dit ce on ne doit pas parler de ça, on doit parler du Ola. Veim Toma. Donc, le Ola, il est fermé. Veim Toma. Velit Yase, Velit Helao de Baltosif. D'accord, peut-être que la question elle est par rapport à la Yehoshua, je ne sais pas. Ce que Rachid a dit dans la Bilézer, Bémet. Comme si, qu'est-ce qu'il fait la Yehoshua de ça? Eh bien non, peut-être qu'il est marché même sur ce que Rachid dit. Il faut chercher. Bém Tomar, pourquoi ne pas dire, viens le rincer et repousse le lard de Baltosim, Fuyesh Tomar, des lots d'amis klal et qu'il a imbécite. Où est-ce qu'on a vu que rincer de Halot Asse par rapport à qu'il a imbécite? C'est marqué, l'otil bash shatnez, semirufishtim yahdaw. Tu ne peux pas mettre
un mélange Semer Ufishtim. Et juste après, c'est marqué Gedilim Ta'asela Harabak avec les autres. Tu vas faire les Gedilim. Et bien que c'est un décision, donc c'est du Sharatnez, un Semer Ufishtim. Ouais. Donc, distosphot, quand est-ce qu'on dit assez de chérot assez lorsque ça ressemble à qu'il a imbécicite? Mais ici, chez nous, ça ne ressemble pas à qu'il a imbécicite. Pourquoi? Mais je le mets de l'autre ami clal qu'il a imbécicite. D'acha, à l'idée pshia ou pas? Quand est-ce qu'on dit que assez de chérot assez lorsque le ikar a mis soit, je dois l'accomplir telle qu'elle est? Mais ici, j'aurais pu très bien accomplir 4 et 1 de manière indépendante. Seulement, il y a eu une pshia, il y a eu une erreur qui a été faite et les sens se sont mélangés. Dans ce cas-là, on ne dit pas « viens le rasser » et repousse le « l'autre à rasser ». C'est lorsque, de manière naturelle, la mitzvah, sans aucune erreur, on doit l'accomplir. Mais en l'accomplissant, on va devoir transgresser, on dira « assez de chelot à rasser ». Mais lorsque de manière naturelle, il n'y avait pas de problème, seulement il y a une erreur, et là on est rentré dans un problème. Dans ce cas-là, dit ce spot, en tout cas la vie au choix, il dira ça, on ne dit pas « ah, c'est tout, c'est l'autre, c'est ». Prochain tout spot, « inat nube matanahat » c'est l'opinion de la vie au choix, « de kaimalan kolanitanim shinit nube matanahat ki perkom rashi l'a dit. » Car nous tenons, comme ça on a vu dans ma série Zohim, la flamme et noire, כל הניתנים שניתנו במתנחת, תו לקורבנות. תו למתנות, כמו באמת, תו למזבח, החיסון, נקור, כי הוא הגדיג'י פליזור מתנות, הוא ננפק ינסון, אביין קמם בג'עבד, סמאש. ועלה למחלוקת קיליון תחורי רבי אליעזר, רבי יהושע, ריין עבור הרבק הפורין, עוד היסטואר דארבו. Alors maintenant, la Gemara, Rav Huna ben Reb de Rav Yoshua, il va connecter, d'accord, les deux sujets. On est à quatre lignes avant la fin du Hamoud. Rabbi Eliezer qui a dit dans les Korbanot, agis, c'est mieux. Oui, Achanami, Yered. Là aussi, le fait qu'il soit sur l'arbre, il est en train d'utiliser là pendant Shabbat. Agis, c'est mieux. Agis. D'accord ? En agissant, tu vas sortir de l'interdit. D'accord ? Tu vas finalement être sur le sol par la suite. Eh bien, c'est mieux. Très bien. Par contre, pour la Biochoa, il y a la Biochoa d'Amal Atam Chef Alta Serdif. La Biochoa qui a dit non, 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 n'agis pas. Passif. Ouais, reste passif. Là aussi. Ouais, il dira, reste sur l'arbre, ne descends pas pendant Shabbat Hanami, il n'y a rien. Donc finalement, la braïta qui est marmira, c'est Rabbi Yoshua, la braïta qui est merkila, c'est Rabbi Eliezer. Voilà ce que propose de dire Rabbi Huna, braïta de Rabbi Yoshua. Et la Gemara repousse. Dit le malohi, peut-être, ce n'est pas juste. Ad kanokama Rabbi Eliezer, atam kuma saadi, fela de kavid miswa. Peut-être Rabbi Eliezer, il t'a dit dans le cas de Korbanot, agis. Pourquoi? Parce que quand tu agis, tu es en train d'accomplir la mitzvah de Arba Matanot. Mais ici, quand tu agis, tu descends, tu n'es pas en train d'accomplir une mitzvah, tu es en train de fuir une Avera. C'est peut-être pas la même chose. Accomplir une mitzvah, c'est plus fort. Donc, c'est possible que la mitzvah te dise de rester. Donc, Avalacha, Dela Avid Mitzvah, Chinamit Zoyeret. Veinami, ou bien je peux te repousser autrement. Adkan ukamar Rabbi Yoshua atam shev alta aseradif. Quand est-ce que Rabbi Yoshua t'a dit dans les korbanot, shev alta aseradif, n'agis pas. Et là, dès lors, t'as vu d'isura. Parce que quand il n'agit pas, ouais, quand il est passif, il n'est pas en train de faire une avera. D'accord? Il n'est pas en train de faire une avera. Et la vela de Baltira, il est passif, il ne fait rien. Il n'agit pas. Par contre, ici, Avalakha, de Kavid Yisura, Achinami de Yered. Ici, quand il reste sur l'arbre, le fait même qu'il reste sur l'arbre, il est en train de faire une avela. Il est en train d'utiliser l'arbre. Amim l'ont interdit. Donc peut-être, il demandera à Rabbi Yoshua de descendre. D'accord?
Par contre, dans le Corban, Mélène, les lavines viennent de par eux-mêmes, ils viennent. Mais là, je suis assis sur l'arbre. Je suis en train de transgresser. D'accord? Peut-être que la Biocha va te dire de descendre. Donc, tu n'as pas de preuve que la Braïta qui est interdite, c'est la Biocha, et celle qui autorise de descendre, c'est la Biléhézer. On peut dire très bien le contraire. C'est pourquoi la proposition de la Bouna Bré de la Biocha tombe à l'eau. Très bien. Il nous reste deux sougyotes encore. Et après, il y aura une partie de Haggadah. Jusqu'à la fin du Hamout. Il y a deux sougyotes. On y va. Tane Ahada. Il y a une braïta qui dit Ehad ilan lach ve ehad ilan yavesh. Vous avez un arbre humide et un arbre sec. Dans l'un comme dans l'autre, tu n'as pas le droit d'utiliser l'arbre. Tane Ahada, il y a une autre braïta qui dit Bamedvarim amorim belach aval be yavesh mutar. Dans quel cas je t'interdis l'utilisation de l'arbre lorsque l'arbre est humide, mais lorsqu'il est yavesh, lorsqu'il est sec, c'est autorisé. Donc on a une contradiction. Une fois on a interdit le yavesh, et une fois on autorise le yavesh. Comment on fait? Amar aviuda la kashia. Kan beshe gizo mahlif, kan beshen gizo mahlif. Une braïta parle lorsque le tronc peut encore grandir, peut encore donner du fruit. Et dans ce cas-là, on interdit, d'accord, kan beshen gizom mahlif. Par contre, la braïta qui a autorisé le yavesh, c'est parce que le tronc ne produit plus rien du tout. Malakbara, ta réponse, elle ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de me dire que la braïta qui est interdit, c'est parce que le geza, le tronc, l'arbre, il pousse encore, mahlif. Mais ça t'appelle ça Yavesh? T'appelles Yavesh alors qu'il donne encore, alors qu'il peut encore grandir? C'est la question d'Agmara qui suit. Gizom Achalif, Yavesh Karitle. Comme ça, tu l'appelles Yavesh? C'est la raison pour laquelle moi j'ai une Agaa qui rapporte Tfous de Venise et Tfous de Salonique. Et là, il dit Gizom Achalif. Bon, obligé a priori. En fait, les deux braïtot parlent que le tronc ne produit rien du tout, ne produit plus rien. Il est yavesh, l'arbre il est yavesh, yavesh. Alors comment ça se fait qu'une braïta interdit le yavesh et une autre autorise le yavesh? La tachia. Kan bimot ahama, kan bimot agshami. Une fois on parle en été, une fois on parle en hiver. C'est quoi cette réponse-là? En été, tous les autres arbres fleurissent, ont fleuri. Par contre, celui-là, il est yavesh, il est tout sec. D'accord? Donc, on reconnaît celui-là par rapport aux autres. Et si je viens t'autoriser celui-là, tu ne vas pas venir à autoriser les autres. C'est la raison pour laquelle le yavesh est autorisé. Par contre, lorsque on est en hiver, ou même les autres arbres, eh bien, ils sont dégarnis, d'accord, on ne t'autorisera pas le yavesh non plus, de peur à ce que tu viennes à autoriser les autres arbres qui, eux, ils poussent encore naturellement, normalement. Choubaritain, je ne vais pas te l'autoriser. Voilà, selon Rashi. Dilagmara, bimot ahama, que je t'ai autorisé le yavesh, selon la réponse qu'on vient de donner. Ah, natre, pire. Mais les fruits tombent. C'est quoi la question? Ah, natre pire. C'est vrai que l'arbre, il a séché. Au reste de l'agmara, on voit que l'arbre a complètement séché. Il est à sec. D'accord? C'est quoi la question à natre pire alors? Il m'a dit, je m'autorise. Alors, explique Rashi, quand natre pire, d'abord d'où il vient si l'arbre est sec? Chenish arubo mishana shavra. Les fruits qui sont restés depuis l'année précédente. Ve'atil et Mishlebe, Tlisha. Oui, et je risque de venir à autoriser
Tlisha de l'ar, d'arracher un arbre qui lui est l'ar. Nei de alia de avesh ato alia de l'ar. C'est vrai que la alia, elle, pourquoi elle est interdite? Shemaït loch. Elle, je ne vais pas te l'interdire. Pourquoi? Ça fait xera le xera. D'accord? Nei de alia de avesh ato alia de l'ar. Lo gazrina. De goufa xera. Miu tlisha, tout tlisha nixo. Cependant, j'ai peur que tu viennes à être la tlisha de l'arbre yavesh, qui lui est bémet, la tlisha est autorisée, parce qu'il est complètement mort là. Tu enlèves le fruit, c'est pas un problème normalement. Mais si je t'autorise à arracher le fruit là, tu vas arracher le fruit d'un autre arbre qui lui est là. Et là, il y a vraiment, il est sur le kosher, il est sur le doraita. C'est vrai que Aliya, je ne t'interdis pas. Parce que l'Aliya elle-même, c'est une gzera mishum klisha. Donc, Aliya du Yavesh, à toi Aliya de l'Arche, je ne veux pas t'interdire parce que ça fait gzera le gzera. C'est d'accord. Quand c'est quand pas de problème de maritime. Hein. Mais la klisha, ouais, je devrais l'interdire. Dis la gmara, mede le capire. Eh bien, on parle du cas. L'arbre n'a pas de fruits, il n'a plus rien du tout. J'ai la gmara quand même. Voilà, il se peut qu'il arrache des brindilles. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits, pardon, mais il peut y avoir, et des brindilles, toujours, ouais. Alors, je réponds à la gmara, Begdouda. Voilà de quoi on parle. Begdouda, regardez l'arbre, Begdouda. Tiens, photo 41, si tu peux montrer ça, Jonathan. Page 220. Begdouda. Rachidi, Hol Shinashu Anafa Koulam. Il n'y a plus vraiment de branches. Voilà. Il n'y a plus vraiment de branches. C'est un arbre où pratiquement il n'y a qu'un tronc. D'accord ? Et c'est ça ce que je t'ai autorisé. Ça, je t'autorise. D'accord, mais donc monter, j'autorise. Voilà, on peut utiliser là. Ce Yavesh, tu peux l'utiliser comme tu veux. Alors, on demande à Gbala Eni, c'est vrai ce que tu dis qu'on autorise ce genre d'arbre? Vera Vitra les Aspamia, les pardon, j'ai mal lu, les Apsatia. Une fois là, il est arrivé dans une région qu'on appelle Apsatia. Mais Asar Begdouda, et même Gdouda, il a interdit. Répond la Gmara, Minadine, c'est autorisé. Mais les gens de Gdouda, de Apsatia, ouais, eh bien, c'était des gens dévergondés. Rav Bicha, comme c'était comme une Bicha, il n'y avait pas de barrière là-bas, ils étaient trop dévergondés. Même ce qui est autorisé, il leur a interdit. Donc là, Bika, Gadal Bagadel, littéralement, il a trouvé une Bika, un étendu sans clôture, et il a fait une barrière. Voilà, mais Mekaradine, c'est autorisé. Maintenant, la question, c'est au niveau du Psak Alakha, qu'est-ce que nous, on doit retenir? Est-ce que nous, on va considérer que nos régions à nous, c'est pas mieux que Aspatia, Afsatia? Que je retienne ce. Oui, ou bien non. Absatia, c'était un problème. Mais nous, non. Abemet, j'ai marloket, rishonim là-dessus. Selon le Rambam, comme ça aussi pense le Ravad, c'est interdit aujourd'hui chez nous. Comme Rav, on n'est pas mieux que les gens de Absatia. Et comme ça, Abemet, il tranche le Shulchan Aruch. D'autres rishonim comme le Rosh, le Torah, etc., ils disent que non, il y a une différence. Alors là, on a une différence, on n'est pas comme les gens de Apsatia. Ouais. Ça, c'est une première sugya. Deuxième sugya. Amar Rami Bar Abba. Ce qu'on a sous les yeux, c'est Rami Bar Abba. Amar Avasi. Asur le Adam Shialech al Gabi Asavim Beshabbat Mishum Shenemar ve Asbir Aglaim Chote. Il est interdit à l'homme. Ouais, de marcher sur de l'herbe, Shabbat, comme
D'où je sais ça? Enfin, ce n'est pas d'où je sais. En fait, il rapporte un appui à ça, c'est tout. Mais en fait, c'est une autre raison. On verra par la suite dans la Gemara. Ishum Shenemar, comme dit le pasuk, un appui à cela. Le as belarlaim, celui qui se précipite avec ses pieds, il faute. C'est-à-dire celui qui marche. Le pshat, c'est pour lui qui court. D'accord? Eh bien, choté, c'est un fauteur. Donc, le Hacham explique, en fait, on est en train de parler qu'il marche pendant Shabbat sur de l'herbe. Eh bien, il est fauteur puisqu'il arrache de l'herbe. Tanea hadam utaleler agabe asabim b'shabbat. Mais Tanea ida raso. La Gemara rapporte qu'en fait, c'est une mahlok qui est entre deux braïtot, a priori. Une braïta qui dit on a le droit. Et une braïta qui dit on n'a pas le droit. Comment ça marche? Une mahlok est ou pas? Et pour la Gemara, la cache. Non, quand c'est l'art, c'est interdit. Quand c'est yavesh, quand l'herbe elle est yavesha, elle s'appelle morte, eh bien, quel est le djinn? On autorise. D'accord? Ah, te saute, demande, je ne comprends pas. Yavesh, on autorise. Voilà, on a vu dans l'arbre en haut, la souga précédente, on a interdit le yavesh. On a dit, tu arraches les brindilles là-bas. Et c'était un problème. La Gemara, la protection, donc je reprends dans les mots de Tosfot. L'arbre, je suis plus mahmir parce que quand les brindilles tombent, c'est visible. D'accord? On dirait que de toute façon, ils tombent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est comme ça que Rachid explique. Possible, je ne sais pas. Il faut vérifier. Bon, Archéier, donc, ce soit disent par contre au niveau de l'herbe qu'on ne voit pas, on n'a pas trouvé, Hachrabim n'ont pas trouvé nécessaire d'interdire lorsque c'est Yavesh. Parce que Mekaladin Yavesh, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la première réponse. Donc, première réponse, ce qu'on interdit de marcher dans l'herbe, c'est l'art. Ce qu'on autorise, c'est lorsqu'il y avait. Je vais y aller. Deuxième réponse, je peux te dire, les deux cas, ils sont là. Les deux braïtos. Velo kasher. Kanbimota hama, kanbimota kshamim. C'est quoi la réponse? Tout ce rachid est un peu plus long ici. Bimota kshamim, il n'y a pas encore des graines dans cette herbe-là. D'accord? Mais bimota hama, quand tu marches dessus, tu fais tomber des graines qui se trouvent dans l'herbe. Ouais. Sorte d'herbe, je ne sais pas. Eh bien, c'est un problème. Voilà pourquoi le Tana a interdit. Le Tana a interdit, on parle d'Afra Bimot Ahmad qui fait tomber, dit Rashi. Vous voyez, Rashi, il est où Rashi? Bimot Ahmad, Zerayesh Begiv Olin ou Meshiran. Quand il marche. Oui, Baetema, Awea Bimot Ahmad. Je peux te dire. Les deux braïtotes parlent bimot ahama. Velo kashir. Ade sayem msane. Ade los de lo sayem msane. Dans un cas, il porte des chaussures. Et donc, Rashi explique quand il porte des chaussures, c'est autorisé. Et dans l'autre cas, il ne porte pas des chaussures. Ça veut dire que l'herbe pénètre entre ses doigts. Ouais. Les pieds nus. Hop, ses orteils. Hop, il arrache. Voilà le problème. Veibaitema, je peux te répondre encore autrement. Awead Seyim Sane, dans les deux braïtotes, on parle qu'il a les chaussures. Velo Kashia Deitleokse, Adeletleokse. Dans un cas, les chaussures, ils ont des crampons. D'accord? Des oxé. Rashi explique, ce sont des pics comme ça qui sont. Foufim qui se replie, d'accord, et donc ça va s'accrocher l'herbe quand il va marcher, ça va arracher. Et la braïta qui a autorisé, c'est lorsqu'il n'y a pas ces crampons là. Oui, bah, et ma, oui, à des les oxé, à des les shracha, oui, à des les shracha. Je peux te dire que les deux braïtotes parlent lorsqu'il y a des crampons. Mais attention, ça dépend. Quand c'est des itle shracha, Rashi explique petila aruka sha'esev aroch asur. Ça veut dire que lorsque
l'herbe est longue, haute. Alors, ça va bien s'accrocher, ça va arracher, ça va faire tomber. D'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, que c'est interdit. C'est la brita qui est interdit. D'accord ? Par contre, la deuxième brita qui autorise, c'est lorsque l'herbe est courte. Donc, ça ne s'accroche pas. C'est pourquoi c'est autorisé. Point. Va'ida de Khaymalan Kerabi Shimon, Kul Hoshar, il conclut la Gemara. Maintenant que nous tenons comme Rabbi Shimon, oui, eh bien, tout, quelqu'un dit Rabbi Shimon a dit d'avoir chez nous Kaven Moutar. Puisque la Lacha est comme Rabbi Shimon contre Rabbi Yoda, d'avoir chez nous Kaven lorsque c'est pas psychléché, c'est Moutar. C'est la raison pour laquelle on a le droit de marcher dans l'herbe, même si l'herbe est longue, et tu as des chaussures comme ci, et des machins comme ça, comme c'est pas sûr que ça tombe, ça s'arrache, et bien, et c'est en mitkaven, et donc c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Maintenant, même selon la Biouda, a priori, je dis, même selon la Biouda, et bien, que ça sort de la Gemara, bien évidemment, que c'est interdit, c'est pas sûr que c'est une sorte de horaita, parce qu'a priori, le fait d'arracher avec, comment dire, avec ses pieds ou avec les chaussures, oui, les crampons des chaussures, eh bien, c'est a priori considéré comme qu'elle est ahariad, d'accord ? Auquel cas, si c'est qu'elle est ahariad, il n'y a pas d'issur Torah, mais qu'un issur des rabbanan. Point. De toute façon, il faut remarquer, a priori, de ce que la Gemara conclut maintenant, j'aurais envie de dire que même au niveau de l'arbre, ce n'est pas un problème. De la même manière qu'au niveau de l'herbe, c'est pas un problème. J'aurais voulu dire que même au niveau de l'herbe, comme on dit comme un bichement, ce serait pas un problème. De toute façon, ils disent non. Attention d'en conclure ainsi. C'est quoi, cool? Piresh, Rabbeinu Hananel, Deaï, Eter, Lokai, Ella, Asavim. Ouais, ce Eter-là, il n'est que sur l'herbe. Les Shari, Becholinian. Aval Beilan, mais au sujet de l'arbre, Elohiyah, Mikan. Ouais, on ne peut pas. Oh, comme ça dit, Elohiyah, Mikan, Shum Het. On ne peut pas tirer de là un quelconque éther, un filo yavesh, des chayar, les mikdat. Pourquoi? Même s'il est sec, des chayar, les mikdat fait, Mishum, des mikdat, comme ça, on dit dans le tasso précédent. D'accord? Parce qu'au sujet de l'arbre, je peux comprendre que même si on tient comme le bichman, hachamim, quand même, ils vont être dosés, quand même, ils vont interdire, parce qu'au niveau de l'arbre, c'est plus visible que ça s'arrache, d'accord? Et donc, je crains qu'ils viennent vraiment le faire, et de manière mitkavim. Voilà. Fin de la sugya. Maintenant, à partir de maintenant, on va faire une partie d'Agada. Oui, Amar Rami Barhama. Bon, si on dit oui, Amar, même après on aurait dit Rami Barhama. Bon. Oui, Amar Rami Barhama, Amar Abassi, mais le contraire. Assou le Adam Sheko Fishto Lidva Miswa. Un homme n'a pas le droit de forcer sa femme, l'idval miswa. Ça veut dire quoi, l'idval miswa? L'etashmish. C'est-à-dire de dormir avec elle. Il ne peut pas forcer sa femme à dormir avec lui. Sheneemar, ve'as beraglaim chote. Celui qui as oppresse beraglaim, raglaim. C'est, parfois on l'utilise pour exprimer le tashmish. Comme on a vu au sujet de Sisra, ben raglea kara nafal shachav avec Yael. Ben ouais. Ben raglea, c'était le tashmish. Donc, ve'as beraglaim. Pourquoi on appelle ça Dvar Miswa? Explique le Yahavet, dit même si maintenant c'est Saona, d'accord? C'est-à-dire que c'est la Miswa, quoi, Miswa Tana, eh bien, quand même, il ne doit pas l'avancer, il faut que ça le soit, on s'entend. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kolakofe Ishto Lidvar Miswa, tout celui qui force sa femme, Lidvar Miswa, Otashmish, Awianlo, Banim, She'enan Mehogani. Il va avoir des enfants, Shalom, qui ne sont pas corrects. Amar Avika bar Hinena Maitraha. Quel est le passage qui montre cette idée-là? Gam Belodat Nefesh Lotov. C'est quoi Gam Belodat?
D'accord. Juste avant, c'est marqué As Belarlaim Hote, comme dit Rashi. Gam Belodat, lorsqu'il fait sans le consentement de madame, eh bien, qu'est-ce qu'il en sort de là? Nefesh Lotov. Des enfants qui sont, malheureusement, Havesh l'homme pas bon. Point. Daniel Amiachin, Baita qui va dans le même sens. Gam Belodat, Nefesh Lotov, Ze Akofe Ishto Lidva Miswa. ואז ברגליים חוטא זה הבועל ושונה. ואז ברגליים חוטא celui qui force sa femme à dormir avec lui et qui זה הבועל ושונה et il répète, d'accord, il le fait de manière, il refait, il dort une deuxième fois avec sa femme et sa femme elle veut pas la deuxième fois et lui il le fait quand même. Eh bien c'est pas bon, ça s'appelle אז ברגליים חוטא. Et ni demande la Gemara est-ce que c'est vrai? Pourtant, on a vu par ailleurs, Maaser et Shabbat, Nida. Celui qui veut que tous ses enfants soient des garçons, qu'ils dorment doublement avec sa femme. Ouais, parce qu'après la première fois, donc la femme, elle a plus une tahava, et donc quand elle a une tahava, donc elle est mazra, trilla, et lorsqu'elle est mazra, trilla, lorsque vient la deuxième semence du mari, eh bien, c'est un garçon, puisque Isha, Shemadra, Trilla, eh bien, c'est un garçon. Bien que c'est possible que la première zéra du mari, elle a fécondé déjà, c'est possible. Mais disons qu'il y a plus de chances qu'il ait des garçons dans cette, avec cette manière-là. Que Rava a dit, Kol Bana Osrali. Et je t'adoum baisé. Bon, Archeye pose la question, donc on voit que c'est quelque chose de positif, Livrol, Velishnot. Comment c'est que la Gemara a dit, Ivan Luishne, celui qui dort une deuxième fois avec sa femme sans son consentement, on dirait, la Gemara l'a compris au départ, quand c'est une deuxième fois, ça la matriachota, ça la fatigue, ouais, ça la dérange, on va dire. Répond la Gemara, la tachien, kan le da, kan shelolada. Ce que le passo dit, c'est lorsque la deuxième fois, c'est shelomidata. Elle veut pas. Là, c'est pas bon. Par contre, si c'est midata, c'est de ça que Rava parle, que c'est positif et qu'il aura des garçons. Point. Amar Rav Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yohanan. Quand l'Isha Shtovat Bala Lidvar Miswa, Avien la Banim Shafilo Bdolo Shem Moshe Loyou Kemotan. Une femme qui demande à son mari de dormir avec elle, oui, eh bien, elle va avoir des enfants que même à l'époque de Moshe, il n'y en avait pas. C'est bon, ça. Comment tu sais ça? D'ailleurs, le bédoro chez Moshe, qui va avouer la chèmène à Jim Hachem, il m'a dit, il m'a dit, à l'époque de Moshe, c'est marqué, avouez la chèmène, prenez pour vous des gens qui sont Hacham, Navon, Yidouim, les Shiftechem, connus dans vos Shvatim, Urtiv, et lorsque Moshe les a choisis, c'est marqué, j'ai pris c'est pas marqué qu'ils étaient névonim. Oui, le névonim, il n'a pas trouvé des névonim. Ça veut dire qu'à l'époque de Moshe, il n'y avait pas des névonim. Léal a dit à Yaakov, tu viens dormir avec moi ce soir. Kesachol sechartchi rabbi Doudaï Beni. Je t'ai loué grâce au Doudaïm de mon fils. Et qui est sorti de cette union-là? Issachar. Et qu'est-ce qui est marqué au sujet de Issachar? Ortiv, Omi Bene Issachar, Yodaï Bina, la etim, la date. Maya, c'est Israël, Hashem, Matem, Cholachem, Alpie. D'accord? Donc, il y avait bien. Nevonim, Bina, Bina, Yodae, Bina, c'est Issachar. Donc il y avait bien des Nevonim. Donc Issachar qui a été obtenu parce que Léa, elle a demandé à Yaakov dormir avec elle. Eni, demande à Gmara. Ça veut dire que c'est une bonne chose que de demander à son mari. Pourtant, maintenant, on est content.
y a eu Diklalot. Enserklalot, Niklela, Hava. Il y avait dit malédiction chez Hava. Dirtiv, comme c'est marqué. Elaïcha Amar. Harba Arbe. Harba Arbe. La Gemara, elle doit réfléchir à deux ici. Cette Harba Arbe, ou bien le fait même qu'il y a beaucoup, ça veut dire deux. Hum. Elouchne Tipe Damim. C'est ça, on parle de deux gouttes de sang, c'est-à-dire deux sortes de sang. Ahat Damnida, ve Ahat Dambetulim. Damnida, d'accord, donc ça rend la femme Nida, à devant de son mari. Et Dambetulim, que ça lui fait mal. Aïsevoner. Zesar Gidul Banim. C'est la souffrance qu'on se fait grandir les enfants. C'est la grossesse. Pendant la grossesse. Hashim pose la question, pourquoi on parle de Gidul Banim avant de parler de la grossesse. Normalement, il y a grossesse, après il y a Sarah Gidul Banim. Dans l'ordre, c'est comme ça. Elle dit, mais au sujet de Hava, c'était à l'envers. La Klala, elle était après Kain Ve'ev. D'accord. On vient comme ça qu'il répond le Ben Yoyada et dit, puisque la période de Sar Gidul Banim, elle est beaucoup plus longue que le Sar de la grossesse qui ne dure que 9 mois au maximum. Donc, c'est ça, Raibou. Be'el Seftel Dibanim, ouais, la souffrance au moment de la naissance, Kemash Marod, il a Gmana. Ve'el Isher Teshukater, et tu auras un désir vis-à-vis de ton mari, c'est-à-dire, ta tchouka, tu seras, comment dire, tiré par ton mari. Mais la mèche, Aïcha, Mishtoket, El Bala, Bishal, Shioseladel. Ça prend que la femme, ça exprime une certaine faiblesse à la femme, ça, qu'elle est désirante de son mari lorsque son mari prend la route. Et elle en souffre si elle n'est pas, elle n'a pas été avec lui. Veroyim Sholbar, la dernière, septième. Oyim Sholbach, et c'est lui qui aura une emprise sur toi. Mais la mèche, Aïcha Tovat Belev. On aurait pu croire. Kipchoto, la Gemara rentre dans un détail. Elle dit, mais la mèche, Aïcha Tovat Belev. La femme Tovat Belev. Elle demande, elle veut dormir avec son mari, mais dans son cœur. Vaïch Tovat Befe. Par contre, le mari le demande par sa bouche clairement. Zoï midat tova banashim. Et conclut la Memra en disant, et ça c'est une bonne chose chez les femmes tout de même, le fait qu'elles ne demandent pas. Alors maintenant on ne comprend pas. Rabbi Yohanan nous a dit, le fait qu'elles demandent, anashim nevonim, shem bina. Ouais, et là on est en train de dire non, que midat tova, la femme ne demande pas. Répond, donc on a, à part ça, on a une autre question, c'est que la Mora en haut, il nous a dit, il y a 10 choses. La vishar barabjimi, vous avez dit qu'il y a un seul klalot, et on en a comptabilisé, nous, que 7 et pas 10. D'accord? Donc, ça, c'est la question que la Gemara va poser par la suite. Donc, d'abord, on répond à la première question. En fait, nous, Rabbi Yohanan, quand il s'est exprimé aussi, sa Kavana, c'est pas qu'elle dit de manière claire à son mari. Elle montre par certains gestes, ouais, certaines préparations, d'accord, qu'elle veut dormir avec lui. Ouais. Alors, on a posé la question, alors Léa, elle a dit clairement. Ouais. Alors, peut-être que chez Léa, ça ne veut pas dire clairement. D'accord, tu viens avec moi ce soir, tu vas manger avec elle le repas, etc. Peut-être. D'accord, ou bien, je crois qu'il y a certaines Farshim qui disent que. Au niveau des Imaot, c'est différent parce que elles n'avaient pas dit Serava, un truc comme ça. Le premier pirouche, et je pense qu'il est plus simple. Très bien. Demande la Gemara à Hané Sheva Havian. Comment c'est ce que tu as dit 10 alors que tu as compté que 7? Réponds la Gemara qui a Tar Avjimi Amar Atufa. Il y en a 3 autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas ces 3 autres apparus clairement dans le passouk. D'accord? Hein? Kiatar Avdimi Amar, Atufa,
Kavel, elle est enveloppée comme un endeuillé. Omnouda Mikol Adam, elle est mise en quarantaine par rapport à tout homme, c'est-à-dire elle est séparée de tout homme. Harusha Bevet Asurim, elle est emprisonnée dans. Elle est emprisonnée. Elle est mise en prison. Alors, c'est quoi ces trois choses-là? Atoufa Kavel. Alors, là, j'y explique. Ferma ne va pas tout expliquer. Boucha la set berosha paroua. La femme, elle a honte. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parti, cette honte-là. La femme, elle a honte de sortir la tête découverte. Oui. Et a priori, c'est une honte naturelle qu'elle aurait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais. Donc, un, à tout faire, aujourd'hui, même les femmes, elles sortent qui m'a tenu. D'accord, on est en train de remonter, là. On est en train de remonter le temps. D'une mauvaise manière. Non, alors, je ne parle pas de ça. Ah, je parle que les jeunes, ils veulent se découvrir la tête. D'accord, non. Ok. Atoufa Kaavel. Omnoudam, Mikol Adam Nagmar avait expliqué. Havusha Mibet Asurim. Pourquoi? Comme dit Rashi, Kol Gvoda Batmelech Penim. La femme, son honneur, c'est lorsqu'elle est à l'intérieur. Même ça aujourd'hui, je ne sais pas si. Peut-être c'est au fond, elle est comme ça et elle est influencée pour sa nature, je ne sais pas. Ok. Alors, dit la Gemara. C'est à cause du féminisme. Tous égaux, tous pareils. Voilà. Certaines idéologies qui les ont transformées, c'est possible. Alors, demande la Gemara. Maï menouda mikol adam. Ça veut dire quoi qu'elle est menouda mikol adam? Elima mishum de asir la yichut. Si, c'est pour dire que la femme n'a pas le droit de s'isoler qu'à des hommes. Ils sont interdits. À elle. Et on a mis à Sile Yehoud. Même lui, il a l'interdit du Yehoud. Et là, d'Asira le Betre. Point. La femme n'a pas reçu avec deux hommes, alors que, donc, certaines libertés quelque part, alors que l'homme, lui, il a cette liberté-là, encore de pouvoir se marier avec deux femmes, jusqu'à la Takana de Rabbeinu Gershom, qui a été essentiellement acceptée chez Eskenazim. Il y a une certaine durée. Hein. Je crois que la durée, elle s'est finie depuis. On continue quand même. Voilà. Ça, c'est ce que nous a dit Rav Dimi. Gemara rapporte de Matnita Tana, dans la Baraita, c'est enseigné, les trois choses sont les suivantes. Megadel et Sehar Kililit. Avec lorsque Hava, elle est. A été créée, elle avait des tresses. D'accord? Shem lui a fait des tresses. Et la Gemara a dit une des mauvaises choses, c'est quoi? Les trois dernières, c'est Megadel Tsehar Kililit, elle fait pousser les cheveux comme le démon qui s'appelle Lilith. On dirait le fait que les cheveux soient longs. Eh bien, c'est quelque chose qui est dérangeant aujourd'hui, je ne crois pas trop chez les femmes qu'elles pensent ça. Non, même des hommes aujourd'hui ils mettent les jeunes en tout cas ils font en sorte, ils mettent les cheveux longs pour montrer. Bon, en tout cas, ce que la Gemara dit, Megadel Tsehar Kililit. Deuxième chose, Yoshev et Umeshtet même que Behema, quand elle urine pas debout, elle le fait comme un animal. Yoshev et Umeshtet Maim, comme la Behema, on verra ça par la suite. Venaasit Karlebala. Elle est, c'est quoi? Elle est comme le coussin de son mari. Matelas de son mari, elle est en dessous de son mari quand il dort avec elle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, montre une certaine infériorité. Veidar, l'Avdimi qui n'a pas compté ces trois choses-là, pourquoi? Hané, Shevar, Ola. Ce que tu as cité, ce sont des Shvahim pour elle. Pourquoi ce sont des Shvahim? Rashi dit, Yoshev tu machnet bisniot ben hasera klum bedavar. Il dit, il n'y a aucun chisaron de s'asseoir et d'uriner. Ben asit kalebala la Torah. Et quand tu dis qu'elle est en dessous de son mari, au contraire, eh bien, elle la Torah. Oui, elle n'est pas, elle n'a pas de fatigue à cela. Plutôt, son mari va avoir la fatigue, pas elle. D'accord? Rashi n'a pas expliqué la raison. Pourquoi Megadel Tsehal Kelilit, ouais, c'est
c'est un sheva. Il n'a pas expliqué. Peut-être on peut expliquer tout simplement. Parce que c'est une beauté chez la femme, plutôt le sarron. Donc, elle n'a pas trouvé nécessaire d'expliquer la chèvre. Je ne sais pas. C'est possible. Mais ça reste quand même étonnant pourquoi il ne l'a pas dit. Je crois que le farcim n'en soulève le problème. Quoi? Très bien. Donc, il a gmara, ane, sheva, oula, de amar, priya, mai, dirtiv, comme dit la priya, mai, dirtiv, quelle est l'explication du pasuk, malefenu mi bahamot ares, umeof hashamayim, yehakemenu. Malefenu, c'est comme c'est me'alefenu. Me'alef, c'est enseigner. D'accord? Malefenu mi bahamot zoprida. Malefenu mi bahamot, on apprend des bahamot, des behemot. C'est la prida, c'est la mule qui provient du cheval et de l'âne, quoi. D'accord? C'est peut-être pourquoi on a choisi d'après la prida, là. La mule, parce que bahamot, c'est le pluriel, donc elle provient de deux. D'accord? Parce que normalement, on aurait dû garder bahamot, les behemot. Alors, la prida, elle, korat ou mashtenet maim, elle s'accroupit et elle urine. Donc, on apprend que c'est une snio, derech snio, de faire ainsi, c'est bien. On apprend de ça. Omerof hashamayim, yahakemenu, de l'oiseau du ciel, eh bien, yahakemenu, tu apprends cette sagesse-là. Zetanegol, on parle ici du tanegol, apprends du tanegol, shem fayes, vehakar boel. D'abord, le tanegol, d'abord, il émet faillesse la tanegolette. D'accord? Comment il dit Rashi? Comment il émet faillesse au tar? Olers vivotea, il va autour de la tanegol, de la poule, au pochette knafao. Et il étend ses ailes. D'accord? Pochette knafao, le haut pius. Et on verra que Bémet, ça c'est un pius, comme la Gemara va expliquer par la suite. Il lui dit que je vais t'acheter un vêtement qui va te couvrir même tes pattes. Il va jusqu'en bas. La poule, elle est couverte, mais les pattes, non. Jusqu'au sol. D'accord? Voilà ce qu'on apprend. D'abord, tu mets Fayez, et après, il s'accouple avec elle. Donc, tu vois bien, dit la Gemara de la Priya, tu vois bien que le fait d'être korad ou mashtelet main, c'est de l'erchniot, c'est d'avoir Shevach, velo d'avoir Gnaï. Amar Rabbi Yohanan, dit Rabbi Yohanan, il m'allait, l'onitna. Donc il faut dire avec un yud plutôt, il m'allait, plutôt qu'avec un aleph. Comme dit Rabbi Notam là-bas, non. C'est Megila. Oui. Il m'allait l'eau dans Daf Kaf. Il m'allait l'unité Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, Ayun et les Medim Sniout me Hatoul. On aurait appris la Sniout du Hatoul. Quelle Sniout? Rashi explique Hatoul, sa Sniout, qu'il ne fait pas ses besoins, ses excréments, il ne les dépose pas devant des gens, devant les hommes. Et il couvre ses déchets, sa soie, ses excréments, il les couvre. Rabbi Hananel dit que le hatoul, autrement que Rashi, il dit que le chat, eh bien, quand il s'accouple avec la femelle, il le fait comme c'est, dans un endroit caché. Il ne le fait pas au regard de chacun. Donc, dit la Gemara, dit Rabbi Hanan, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris la sniout du chat. Mais Gezel Minemala, on aurait appris le vol de la fourmi. Quoi? Vu que la fourmi, c'est marqué dans le pasouk là-bas, c'est marqué Tachin Bakaïs Lahma. Elle prépare en été son pain. Venahat Gozet Machal Havata Jirashi. Et aucune autre fourmi ne lui vole ce qu'elle a engrangé. D'accord?
Donc, on aura appris de la fourmi le vol, qu'il ne faut pas voler. Ve'arayot, et les arayot, on aurait appris Miyona. D'où qu'on apprend quelle arayot de Yona, explique Rashi que la Yona, elle ne s'accouple qu'avec son, sa paire. D'accord, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas une colombe, une mâle et femelle, ils restent tout le temps ensemble. Ils ne vont pas changer. D'accord. Arayot, c'est-à-dire la femelle, en tout cas, le mâle, je ne sais pas, mais la femelle, d'accord. Iona. On apprend de la Iona. Vederech Eres Mitanegol. Et Derech Eres, on apprend du Tanegol. Donc ça, c'est marchement plus comme Rashi, hein. Le Derecher, c'est comme on l'a appelé au sujet de l'accouplement, pas comme l'a appelé le Hanner. Bon. Le Derecher, c'est Mitanegol, Shem Fayez, Behakar Boel. Demande à Gmara, ou Maïme Fayez là, qu'est-ce qu'il lui dit? Amar Abiyouda, Amarav, je veux que la Gmara rentre dans ce détail là. Achika Amarla. Comme ça, il dit à la femelle, comme ça, il dit à la poule. Zavinaler Ziga, je vais t'acheter un manteau, une tunique, des matuler atkaraer. Donc c'est ça, quand le Tanegol il étend son aile comme ça, cette robe-là, elle va te descendre jusqu'aux pieds. Les bâtards, Achi, donc après c'est très couplé. Amarla, il dit à la poule, les chamte le karbalte de haut Tanegola, i itle, velo Zavinaler. D'accord. Bon, on dirait que les Hakamim, ils ont vu un comportement du Tanegol, ouais, qui était un peu étrange. Ils l'ont interprété de cette manière-là. Il a dit, après c'est raccouplé, c'est pas, il n'a pas, il s'en va et c'est tout. Et il dit, l'ishamte, les karbalte, vous savez, la crête du Tanegol, c'est sa splendeur, ouais, sa couronne quelque part. Il a dit que cette couronne-là, elle se retire, d'accord. Si maintenant il a de quoi lui acheter une robe, d'accord, qui va jusqu'en bas, et il ne lui achète pas. C'est-à-dire, si j'ai les moyens, t'inquiète pas, je le fais. Mais ouais, je n'ai pas les moyens. D'accord, quand même, il doit s'excuser qu'il n'a pas les moyens. Voilà. Alors, il ne lui a pas dit où il va l'acheter. Ah, toi, elle est comme, tu hein? Ah, toi, elle est comme. Non. Il n'a pas dit dans quel souk Mahani Oda ou que tout ça. Ah, où il lui achète, tu veux dire. Il lui fait une promesse qu'il ne va pas tenir, c'est tout. Il ne dit pas. Hein? Il n'a pas d'argent, de toute façon. Ouais, bon. Mais on dirait que Hachamim a eu un comportement étrange. Ça. Je viens de dire. On dirait que Hachamim, ils ont eu un comportement étrange chez le Tanegol. Ils l'ont interprété de cette manière-là. Sinon, tu as raison, je ne sais pas. À un moment, j'ai pas suivi, mais tu as parlé de Venise et de Salonique. Oui. C'était en haut du Hamout et des Gersaot. Ce sont des tfousines qu'il y avait dans la Gemara. La Gemara de les tfous de Venise, le tfous de Salonique. Oui. Bon. Très bien. Il nous reste Aleph, Bet, Gimel, Kouf Aleph, Kouf Bet, Kouf Gimel, Kouf Dalet. Et Kouf Hey, il y a un seul Hamout. On verra. Donc, demain, on fera quand même un mardi. On n'a pas fait les hagim. On fera un mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, on verra. D'accord. Donc, en tout cas, demain, on essaiera de faire Baz Hashem à la même heure. Un peu plus tôt, un peu plus tôt, Bémet. Un peu plus tôt. Vers 9h. Ouais. Moi, je reprends les shivas demain, les maasés. Aujourd'hui, j'aurais pu faire plus tôt. Je reprends la yeshiva et je reprends normalement. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de changement. Bien qu'il y ait un confinement. Vous n'avez pas un confinement ou là, je ne sais pas. Ah ouais, mais on va s'organiser, quoi. Ah, parce que j'ai l'impression que c'est un confinement à la Macron, là. Bon. Après, tu vois, il y a des pressions, hein. Des pressions de chaque côté. Voilà, il doit faire certains choix. Bon, à Bézat Hachem, on fait demain et puis on verra après. D'accord. Merci. Non, sincèrement. Moi, une partie, j'ai dormi. Je ne sais pas si vous m'avez. Par contre, on a vu quand tu as fait beaucoup de bruit. Quand il y avait du bruit. Voilà, quand tu enlèves les oreillers de ton, ouais, de ton, je sais pas, de ton oreille, oui. Eh bien, enlève le son.
parce qu'on entend ce qui se passe à la maison. Même quand j'enlève le son. Voilà. Même quand tu enlèves même quand tu enlèves les oreillettes, peut-être. Ah. Pour enlever le son du. Mais vous avez entendu en train de. Tout, on t'a tout entendu. Hein? On a tout entendu. Il fallait que je parle plus fort pour qu'on t'entende pas. Tu m'as entendu, Nuharim. Non, ça, j'ai pas entendu. Parce que tu as mis après, tu as enlevé le micro. Ouais. Mais juste, chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas parler n'importe quoi, d'abord enlève le. Mets le micro. Ah oui. Même si tu vas enlever l'oreille, ça ne suffit pas. Il faut enlever le micro. Qu'il y aura, mais il est venu. Je sais pas, j'ai entendu du bruit. Bon, mais j'essaie de te parler, tu n'entendais pas. C'est-à-dire d'enlever le micro. Bon. Okay. OK. Allez, à demain, Ben Attaché. Allez. Baruch Adonai Olam, Amir Vamen, Hazak Baruch Rabbeinu.